Il y a quelqu'un qui peut faire 1, 2, 3 gauche à partir de robot? Vous me dites quand vous êtes prêts. Ok, 1, 2, 3, c'est parti. C'est parti. Petit, pas trop beau. Vous n'avez pas trop d'étages de. On l'a fait low right. Magnifique. Du premier coup. Parfait. Ouais. Ouais. Non, en fait, on détecte les airtags, nous. On se place grâce à ça. Comme ça, on n'a pas besoin de faire regarder plusieurs coins, on sait directement par rapport à ce qu'on regarde, lequel, quel côté on regarde, et puis on se place directement avec. On a un petit chiffre là-dessus. Ouais, la position est exposée. Puis c'est quoi le code? Il va afficher sur le. Ouais, ça c'est normal, c'est pour se remettre droit. Zéro S. Ouais, je sais, mais considérant qu'on se base sur le PID, on veut un maximum de précision. Le pas de planning est affiché. Ça planning. Ça planning, la position est updatée. Ils sont tout le temps du même côté parce que. Il y a plus de précision. Il suit ton pas de planning en plus. Bon, la position de l'obstacle était peut-être un petit peu trop juste. Ouais, on aurait dû. C'est ça. Parce que dans le fond, il y a un petit risque. On met ça. Zéro. Ben, on voilà, celui-là, le rouge. Le bizarre. Ça, c'était son pas de retour. Parce qu'on commence toujours à dessiner au coin ici. Sauf que là, il va venir se déposer ici, donc il va falloir lever le panneau pour évaluer. Non, on va le. On fait signe quand le LED va allumer pour se retirer. Oui. 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 Finish. Ça va mettre arrêté. 2 minutes 16. 2:16. 2:16. Exactement la même chose. 2:16. Ah! Allez, zone verte. Voilà. Yes! On passe à. Deuxième tour, vous me le faites. Tu vas rentrer une vocale? Oui. On voudrait faire le. Ah, là, c'est moi qui décide. Ah! Non, c'est Marc-André qui décide. Ah, okay. C'est moi qui décide. Vas-y, Marc-André. Faites les 8, fait qu'on les passe à l'heure. Il y a le regard de la chose, t'es bon, on passe à l'heure. Oui, tout à fait. Allez, on va effacer, on va effacer. Vous pouvez pieds dans le dessus en même temps. Allez, donc, il faut effacer. Il faut effacer. On va lever le robot. Pas le robot, je veux dire, le panneau. Oh, mais c'est pas grave, même si l'autre image. Bon, on va savoir c'est quel. On va savoir c'est quel des autres. C'est bon. C'est bon. Les autres, combien de temps en moyenne? Ça va être moins long, on n'a plus besoin de détecter l'antenne et de se positionner parce qu'on a déjà une position. Mais on a fait comme peut-être que ça va exploser à partir de maintenant. Elle vient la boîte? En passant, le cours est passé. Je sais qu'il n'y a pas de problème, mais j'ai pas peur. Est-ce que vous avez mesuré l'antenne? Non, mais on laisse les marques. Ben, les marques sont restées. Ok, il n'y a pas d'effacer les marques. Non, on efface à l'intérieur. On efface pas les marques. Donc, oui, bon, vous pouvez partir. Ok, ça sent bon le deuxième tour. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Deuxième tour. Il s'appelle dans le centre. Il se positionne comme tantôt. Luc, actuellement, le meilleur temps, c'est quoi? Après dire, vous êtes les seuls à le faire dans. C'est déjà décodé. En moins de 10 minutes. Je dirais que les autres sont tout près de 10 minutes. Ok, 7, 8, 9 minutes. C'est la bonne figure. Vous êtes les seuls à avoir fait une shot sans aucune note. Il n'y a pas de code. Celle-là, le bateau, oui. On a essayé celui-là. Yes. Oui. Yes. C'est marrant le petit suspense qu'il y a là. Les codes sont corrects. Oui. Oui. Non,
Moi, j'aurais une liste de moins de... Ouais. Est-ce que la trajectoire est là? Est-ce que la trajectoire est là? La trajectoire est là. C'est possible que tu auras un miroir sur... les miroirs. Moi, je veux les vidéos de ça, absolument. Oui, c'est le bateau. Oui, c'est le bateau qui est le plus important. Ok, oui. Il est plus loin à tracer le bateau. Oui, quand même. La mine de crayon. Ouais, le crayon, il est un zigzag. Ils n'ont pas changé de crayon, pas bonne couleur. Turn finish. Simon? Go. 4-15. Il est fermé? 4-14. Ah, ouais, il est fermé. Le bateau? C'est tellement nice. La botte? Vert. Dans le vert. On essuie la table. Ben... On essuie la table? On essuie la table. Okay. On essuie la table, oui. On va la prochaine. C'est ça. Ça va aussi ici. Ça va. Ça a pris 4 minutes 14 pour avoir deux tours. On en faisait Attends. On n'a pas encore une boule. Attends. C'est le positionnement du début. Il reste juste... encore 6. Ça a pris une minute. Ça a pris une minute pour ce tour-là. Ouais, le deuxième. Donc il reste 6 minutes. Peux-tu nous essayer un facteur 2? Exactement ce que j'ai fait. Vous allez faire la botte avec le facteur 2. C'est moins long à dessiner. Le positionnement bien dessus. Mais Charlie, t'es grand là. C'est les plus grands qui devraient faire ces choses. Charles. Soit passer la patte par dessus. Ouais, pas de problème. Le robot, vous avez pas écrit une botte derrière. Ouais, ça aurait été bon ça. On aurait pas pu corriger par exemple. Ouais. Il aurait fallu redonner la même chose. C'est bon. C'est un scaling à 100. Ouais, t'as un peu. Ouais, est-ce que le code est rentré? Pour le... Oui, mon code est rentré. Okay, t'as vu, Max, pense-toi d'être là? Attends, non, c'est bon. Check l'autre. C'est parti? 3, 2, 1, c'est parti. Tu as donné ta seconde. C'est réchauffe, c'est en heure. C'est quoi qu'il y a là? 5, West, 2. Pour démo. Ok. Comme trop facile, tu sais. On se demande même pas et on regarde. Sérieusement, on n'a jamais eu une erreur de ce jour au vrai. Tellement mal pour moi. C'est correct. Ok, vous êtes capable, même en diagonale? Ouais. Oh. Il va se déplacer dans le monde. Ah, il a eu. Ah, normalement, quand il est sorti, il y a un trempateur en triangle pour essayer de compenser. Ouais, t'es parfaite. Il y a la position de l'eau. Il y a bien de la mémoire, il pouvait prendre toutes les images. Non, on avait dit. On a le droit de changer la position des images. Ouais. Oh, il va être peut-être. Il fait semblant qu'il lit, il a pris le code. Ouais. C'est ça le. L'obstacle là, il est genre 1 cm. Ah ouais, vu que c'est un facteur 2, c'est ce qui nous sort. Mais de toute façon, je pense que vous n'avez pas été sévère pour ceux qui sortaient de sans les bras. Mais surtout, vous, c'est vraiment les 4 roues, vous êtes capable de servir les 4 roues. Merci, Simon. On t'aime. Voilà, c'est pas facile. Ouais, c'est beaucoup plus précis entre l'équipe d'avant. Le 4 roues, il glisse pas, il dérape moins. Les roues glissent pas. Je sais pas. Je sais pas s'il y avait encore un liquide qui était resté. Non, je pense que la façon qu'ils drivent les moteurs. Ben ouais, nous autres aussi, il y a que ce soit moi, la façon qu'ils drivent les. Parce que lui, il donne pas de coups. Je vois quand tu partes, il accélère.